Alors maintenant, vous allez retrouver une silhouette qui vous est familière. Leroy Gomez, Santa Esmeralda. Ouais. Que de bons souvenirs. Très très bons souvenirs. Il continue à tourner dans le monde entier avec ouais. l'étude de Santa Esmeralda. Et alors, Let Me Be Misunderstood. Exactement, et c'est vraiment un personnage extraordinaire. Extraordinaire. C'est Mounin qui est avec lui. Mounin. Et Chico reprend sa guitare. Leroy Gomez, Santa Esmeralda. Leroy Gomez, Santa Esmeralda. Ça, c'est des souvenirs, ça. Ça, c'est des souvenirs. Je suis content de te revoir, Leroy. Oh là là. Regardez la silhouette de ce jeune homme. Oh non, quand même. Ce jeune homme-là, c'est mon grand frère. Et regarde comme il est. Ça, c'est... Quelle bonne idée tu avais eue avec le groupe Santa Esmeralda d'hispaniser des grands succès anglo-saxons. Je me rappelle, moi j'étais sur la plage de Saint-Tropez, j'ai écouté ça,
Et ça a fait un carton. Et pour moi, c'était un exemple extraordinaire. Mais je me souviens quand j'ai eu le succès en 1977, j'étais à Montpellier et j'étais dans un café. Et qu'est-ce que je vois? Qui devrait être le Gypsy King, mais vous étiez là en train de jouer dans un café. Ouais. J'étais comme un fou. J'ai dit, oh, il faut qu'ils viennent, il faut que je fasse un truc avec eux. Et après, j'étais à Los Angeles. Da, da, da. 38 ans après, on est ensemble et quel plaisir. Mais surtout, quand même. Mais surtout, on va le voir tout à l'heure. Ils ont fait le tour du monde. Ah oui, en plus, ils ont fait un super succès. Ils ont fait tous les plus grands stades d'Amérique du Sud. Voilà, j'avais raison. Ils étaient super. Ils sont toujours super. Et des voix. Hey, des voix. Aïe, 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 aïe. Des voix. Quand même. Je demande d'applaudir encore notre ami Leroy Gomez. Merci. C'était bien de te revoir ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.